troubles go away. Time for fears to fade. The jolly night here now awaits. No use to. Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo, peut-être la seule, je sais même pas, sur One Night at Flumpy's 2, qui est un fan game de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's en général. J'ai pas fait le 1 parce que je vais le faire plus tard, mais là j'avais vraiment envie de faire ce deuxième opus, parce que là j'ai pas encore beaucoup joué là, enfin j'ai même pas joué du tout là pour le moment, mais je trouve ce fan game vraiment, vraiment bien fait, il est cool, et du coup je voulais vous le faire partager. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc cette fois il n'y a qu'une nuit, il faut toujours survivre jusqu'à 6h. Voilà, je pense que vous avez entendu la petite musique bizarre qui est passée. Donc au sol on a une baleine morte, un hamburger, on a des dés qui marquent die, qu'on meurt. On a porciné, c'est comme ça qu'il s'appelle, éventré, on a Freddy. J'ai même pensé. D'accord. On a des trucs de ventilation à fermer ici, on a une tomate, des règles je pense. On peut éteindre la lumière. A, B, D, 1, 2, pi. Si jamais quelqu'un apprend à compter et tout ça dans cette espèce d'école, la bonne chance. Donc, on a un hibou au-dessus des toilettes. C'est à peu près. Salut Flumpy, d'accord, on est déjà dans l'action. Je sais à peu près comment il faut faire, j'ai vu 2-3 vidéos. Flumpy est là, lui il est là, j'ai surveillé celui-là. Oui, donc là, on peut pas rester indéfiniment sur la caméra. Je connais pas très bien les personnages dont sont tirés, enfin le jeu dont sont tirés les personnages là. Enfin non, la série, je pense que c'est une série. C'est Bruce les prises. Donc voilà, donc là on a des mecs avec plein d'œil. Là on a un clown. Vous voyez ici le clown et il y a Flumpy qui était là aussi. Flumpy. Une bouche ouverte, je pense pas que ce soit un personnage. Là on a lui là. Non, je sais plus quoi. Redman.exe. Je pense que ça si je me souviens bien, c'est un personnage du 1, Redman. Voilà, donc si je pense que si on le laisse arriver jusqu'au bout, il va nous tuer. Alors, on va partir lui. Ah, le hibou est parti. Et voilà, on a encore entendu se faire. Oh, c'est pas le Luigi de. Ah là, il y a lui aussi. C'était pas le Luigi de Redman. C'était pas le Luigi de Five Nights at Wario's. Je sais pas si vous connaissez ce fan game. Je sais pas si je vais le faire en vidéo, mais il y a sur une des caméras au début, dans le début des nuits. On peut voir, parce qu'après il se rapproche de plus en plus, et là il est plutôt loin quand il est à ce moment-là, le Luigi de Five Nights at Wario's, du coup, j'ai l'impression, et on peut voir qu'il y a le visage de Flumpy, tu m'as pas vu. Le flippant, non c'est bon. Oh, ça c'est mal. Il me semble pas très bon. Je pense que c'est le clown, et là on voit quand est-ce qu'il va nous attaquer, le nombre de secondes et tout ça. Redman, bouge. Ouais, donc on peut se dire que vu qu'il n'y a qu'une nuit, c'est plutôt facile, mais en fait pas vraiment. C'est compliqué, donc je sais pas du coup si je continue à me voir de ma phrase. Mais oh, tu m'as pas vu là. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir le. Toi t'es encore là, oui. On voit le visage au sol là. Ah, il est 2h. Je pense que si cette barre là par exemple, il nous a vu une demi-seconde ou quelque chose du genre. Ah, il va nous attaquer. Hey, il m'a pas vu là. Tu m'as pas vu. Il m'a pas vu non plus.
Donc je pense qu'à chaque fois qu'il nous voit un tout petit peu, la barre se remplit. Et enfin, tu vois qu'il nous voit tout court, la barre se remplit. J'ai cru le voir sourire. Si vous avez vu comme moi. J'ai cru le voir sourire. Oh, c'était flippant comme easter egg. J'essaie de remettre la vidéo un petit peu avant si vous avez pas bien vu. Ouh. Oui, donc je pense que quand la barre arrive au bout, on a un jumpscare, du coup on meurt. Toi, dans 500 secondes, tu arrives. Je fermais la barre. Non, c'est bon, voilà. Pas facile. Hein. J'espère. Iron Man, non. Ouh, je me fais voir un tout petit peu, je suis mort. Ah, là, je suis très mal barré pour vivre, pour survivre. Préparez-vous au jumpscare, c'est sûr. Attendre un peu ici. Ah là là. Mais alors, qui va nous tuer alors? Je me le demande bien, je sais pas qui je préférerais. Et moi, j'ai pas envie de me faire tuer tout court, donc j'espère que personne nous tue, mais bon, là, vu comment l'avoir rempli. Mais c'était une partie d'entraînement, on va dire, c'était pas. Il est 3h, bon, je pense pas que cette partie on va la réussir, hein, mais c'était un peu une partie d'entraînement pour voir un peu comment jouer. Endman, j'ai peur qu'il y en ait un qui arrive. Ah, c'était le clown. Bien fait le jumpscare quand même, hein, là, j'ai pas. Intérieurement, j'ai eu peur. Ouh, c'est bien dégueulasse. En gros, vu que c'était un œuf, la mascotte principale, j'ai cru comprendre, en gros. Bon, la base, ils ont pris notre œil pour un œuf, et ils l'ont coupé en rondelles comme un œuf. D'accord, sympa. On peut voir ici aussi qu'il y a un mode hard, qu'on doit sûrement déverrouiller après avoir fait le mode normal, donc on va encore essayer une ou deux fois, et puis après, on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Là, c'est une vidéo, je sais pas pourquoi. C'est tout en parfait. Voilà, c'est bien. Salut! Mais bouge, je peux pas voir l'autre si tu te mets là. Donc on a tenu jusqu'à 3h ou 4h, je sais plus. Bon, c'est pas le but et qu'il ne voit pas une seule seconde. Hein. C'est pas possible. Ah, ça fait un trio là. Tain, tain, tain. Ah, il est là. Là, il y a rien qui est ouvert, donc il va pas venir. Oui, parce que je me souviens aussi que dans le premier, le clown venait aussi par là par devant, mais c'était aussi une espèce d'affiche comme ça, il transperçait l'affiche. Venir. Ah, j'ai peur pour le hibou là. Petite musique qui passe en fond, sûrement vient de ça. J'observe un peu le fond, hein. C'est quand même pas mal fait. C'est quand même super bien dessiné, super bien fait. C'est le meilleur fan game de FNAF que j'ai vu pour le moment quand même. Au début pas mal, hein, mais One Night at Flumpy's 1 et 2 sont quand même plutôt stylés. Ah. Hey, boum. Toi, le hibou, tu mourras pas. Ou peut-être que si, hein, mais voilà. Ah, Rain Man. Surtout attention ici. On peut tout observer, le die, une patate, sac à dos, une basket, un dessin de maison. Je sais pas trop ce que c'est censé être cet endroit. Salut. Non, toujours pas. Pas trop ce que c'est censé être cet endroit, parce que là on dirait que c'est pour apprendre à compter l'alphabet et tout ça, donc c'est peut-être une sorte d'école. Il y a un poulet, il y a une ampoule cassée, une chaussure, un pistolet. Pourquoi il prend pas le pistolet, sérieusement? Peut-être qu'il est vide, hein, vas-y. Oh, c'est bon, fermé. Boum. Tu vas pas venir celle-là. Cette espèce de truc violet là, il y en a trois là. Machin violet bizarre. Bon, pour le moment il y en a, si je me souviens bien, il n'y a aucun qui est venu nous voir devant nous là. Peut-être qu'à rester comme ça on leur fait peur, du coup ils viennent pas. Je leur mets là, ouais. Là-haut pour être sûr.
Lui il est là. Bon ça va, lui il est encore là. Ouh, toi je t'attendais pas. Toi je ne t'attendais pas. Boum. Fermé là. Bon après. Ah, bon, ah. J'avais pas vu tout à l'heure, c'était apparu d'un coup, mais là on a bien vu que ça s'est assombri d'un coup. Et d'un seul coup, c'est devenu comme ça. 1000 secondes. Je vais que je m'en mette ici. Redman. Il est 2h du matin. Eh, on peut le faire, on peut le faire. S'il arrive du deuxième coup, je serais fier de moi. Donc oui, donc c'est peut-être une sorte d'école, mais bon, une école avec tout ça, c'est un peu étrange. Il n'a pas vu Flumpy. Voilà. Je vais comprendre, lui, il s'appelle Flumpty, Bumpty, je sais pas quoi. Quelque chose du genre, on verra au pire. Je pense qu'il y a des crédits de fin avec le nom des personnages. Bonjour. Toi. Ah, 100 secondes, là, il va arriver. Ah. Il est là, il est là. J'aurais dû le faire avant, hein, parce que, en plus, j'avais vu qu'il allait arriver. Ah, lui, il est dangereux. Hein. La chouette et lui, ils sont quand même pas mal dangereux. Bim. Drôle de forme ce cactus. D'accord, je peux pas regarder la caméra quand je suis comme ça, je voulais vérifier. À 600 secondes, bien que je me prépare. Attends secondes. Je vais rester comme ça jusqu'à ce que le clown arrive et s'en aille. Et il va sûrement arriver là, le clown. Pas du tout la bonne technique parce que je parais que le hibou va venir me tuer là. Non, bon, le hibou est pas venu. C'est une technique comme une autre, mais je sais pas si j'ai bien fait de la faire. Le hibou est toujours là, il est là. Redman a voulu venir, mais non, jamais. 1500 secondes, on a le temps. Die, une clé à molette. Regarde petit à petit tout. Oh. Boum. Dommage. Il est 3h. Le poète de la victoire, donc il est coué les 3h. Ah non, en fait on revient sur la dernière caméra sur laquelle on était. Pas sur la caméra du milieu. Je me demandais. Il y a une moto qui est passée, je sais pas si vous l'avez entendu. Ah, il y en a un qui va venir. 500 secondes. Et là, 200. Et lui, il va arriver, le clown. Hey, pour le moment, je gère. Je suis même pas à la moitié de la barre à 3h du matin. Si je continue comme ça peut le faire. Tu m'as pas vu. Il est enfin arrivé, parce que tout à l'heure, il fait sa route, là. Alors, ferme-lui, comme ça, pour s'amuser. Il est 4h, lui il revient dans 700 secondes. Eh, de plus en plus compliqué. On peut s'en douter en même temps, si c'était de plus en plus simple, ça aurait pas de sens. Je vous attends, messieurs les. Bah, du coup, c'est même pas des robots. Hein. Enfin, je pense pas. Ils ont pas des têtes de robots. Lui il va arriver, le clown. Je pense, normalement, il va pas me voir du coup là. Il est 4h, passe à 5h, passe à 5h, passe à 5h. Je pense que je ferai aussi, c'est quand j'aurai débloqué le mode hard. Voilà, toi t'es parti, toi t'es pas là. Oh, c'était Golden Flumpty. Vous l'avez vu ou pas? C'est le Golden Freddy de ce One Night at Flumpy's. Ouh, c'était assez flippant. Je sais pas si vous avez bien eu le temps de le voir. J'ai eu un peu de temps quand même pour le voir. Il était quand même flippant. Je sais pas s'il est rare, parce que Golden Freddy il est rare quand même, mais. Là, vu qu'il y a une, il doit sûrement être plus rare que dans le truc. Donc là, il y en a 5. Il arrive dans 500 secondes. Enfin, non, c'est même pas des secondes. Je pense que je dis secondes depuis tout à l'heure, mais c'est même pas ça. Il est pas dans 500 secondes. Là. Oh! C'est que cette chose a plein d'œil, mais. Toi, tu vas arriver là.
Voilà, mais arrête, après j'ai l'air d'un con. Ouf, il y en a deux. Eh mais il est trop flippant celui-là, mais qu'est-ce que c'est censé être, sérieusement? Une seconde. J'ai cru que j'avais fail, mais non. Oh, il est 5h, il est 5h, il est 5h, on peut le faire, on peut le faire. Ah, tellement tendu ce jeu. Lui, il faut juste l'éviter dès qu'il arrive en fait, je pense. Que ce soit la lumière ou tout ça, il faut juste pas le regarder. Si on le regarde, c'est mal pour nous. Je vais faire ça. Il est 5h, faut que je gagne du temps, faut que je gagne du temps. Là, je suis à peine la moitié de la barre sur laquelle il faut pas dépasser. Bouge, s'il te plaît, bouge. Bouger, je dois vérifier le hibou. Le hibou est plus là. Ça c'est fermé. 5h, 5h, 5h. Ah, je peux le faire, 1400 secondes. Allez, passe à 6h, passe à 6h, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais pas me faire perdre maintenant. Redman, barre-toi. Ouh, si je m'étais fait avoir par le Golden Flumpty, là, j'aurais pas été très content. Et là. 800 secondes. Yes, 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 yes. Chanson de la qualité. One Night at Flumpy's 2, du coup, ouais, on peut les voir en 8 bits là avec Flumpty Bumpty, voilà, c'est ça. Donc c'est le Love Birthday Bob Blam, c'est le mec carré bizarre. The Owl, c'est le hibou. Grunkus, The Clown, c'est le clown. Redman, bon, on s'est même pas fait avoir par lui. Aether, je pense que c'est le truc avec plein d'œil. Golden Flumpty, bah voilà, Golden Flumpty, et puis c'est tout, non? Ezien, ah, très bon jeu de mots. Et bah voilà, j'aurais pas cru que j'allais y arriver du deuxième coup. Eh, c'était tendu, surtout vers la fin, là, c'était tendu, j'avais vraiment peur de me faire avoir. On va se retrouver, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce fan game. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit de la vidéo ou du fan game. Normalement le son des vidéos devrait bientôt s'améliorer pour quand j'aurai un nouveau micro, ça risque d'arriver bientôt. Donc même si vous avez apprécié, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de voir la suite, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis quasiment sûr que je ferai le mode hard parce que ce jeu est quand même vachement sympa, je trouve en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, et salut à tous.